Alors bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bonjour les filles et les gars, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous viens avec une vidéo d'organisation. Donc je vais vous montrer comment je vais organiser mon pantry. Donc tout a été commandé sur Amazon, comme je vous ai montré les boîtes. Donc j'ai commandé plusieurs boîtes de rangement transparent. Si vous voulez savoir exactement lequel j'ai pris, je laisserai le lien en barre d'infos. Donc vous voyez comment que mon garde-manger a l'air de rien. Je vais avoir un deuxième bébé, j'ai vraiment besoin d'avoir plus d'organisation dans mes affaires et que tout soit plus simple en fait et facile d'accès. Et aussi l'autre jour, je préparais des pâtes de spaghettis à mon fils et j'ai vu qu'il y avait une petite bibite dans la boîte des pâtes parce qu'en fait, quand on ferme les boîtes, des fois il y a des fissures et les petites bibites ils se promènent, ils se faufilent et tout. Ça m'a tellement, mais tellement dégoûté. Je me suis dit non, il faut vraiment que je trouve une façon de sceller tous les produits. Donc à chaque fois que j'achète, que je puisse les mettre. Donc c'était le moment. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de vider votre garde-manger et de le nettoyer de fond en comble. Vous voulez vraiment que tout soit propre et neuf. Par la suite, ça c'est le moment que j'avais vraiment hâte. J'avais vraiment, mais vraiment hâte tout le long que j'attendais la commande des boîtes. J'avais hâte. Donc là, je vais vraiment sortir toutes les choses du garde-manger et je vais les placer dans les boîtes. Donc faites attention quand que vous mettez les produits parce que comme vous avez vu, j'avais mis des pâtes dans une boîte un peu, dans un contenant un peu trop petit. Donc j'ai dû le transférer. Donc juste vous assurer que la quantité que vous allez verser, c'est la bonne, sinon ça va déborder. Mais j'ai vraiment aimé faire ça, honnêtement, c'est simple, je trouve. J'adore les contenants, ils sont faciles à fermer et vous voyez qu'il n'y a aucune ouverture, il n'y a aucun air qui passe. Donc les aliments sont vraiment bien protégés à l'intérieur et aussi c'est beau et c'est plus facile de le voir vu que c'est transparent. Faites très attention à ce moment-là parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à verser tous mes produits de poudre et à la fin, il a fallu que je goûte chacun pour me rappeler c'était quoi. Donc, n'oubliez pas d'étiqueter tous vos produits. Donc, moi, il y avait une des commandes de boîte que j'ai commandée qui venait déjà avec les autocollants et le crayon. Donc, je vais vous préciser c'est lequel pour pas que, par exemple, si vous voulez vraiment avoir aussi les étiquettes et tout. Mais sinon, vous pouvez les commander à part sur Amazon. Donc voilà, tout est terminé, tout est rangé. Oh mon Dieu, vous savez pas à quel point j'ai admiré ce chef-d'œuvre. Je suis restée devant à regarder et j'adore. Honnêtement, c'est vraiment plus efficace, c'est plus beau et c'est plus propre. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.